YouTube Greux, c'est Sean Kazma, j'espère que tu as bien, on est back de retour aujourd'hui, messieurs, dames, dans la continuité de l'épisode précédent. Il s'est passé bien des choses, quête principale, petite mission sympathique en mer avec Aya. Retour à Alexandrie pour quelques quêtes secondaires, sympathiques, sans plus. En vrai, il y a eu des moments sympas, mais c'était pas mes parties préférées. D'ailleurs, on a une nouvelle continuité avec ça. Puisqu'en fait c'était des quêtes en lien avec Phanos, vous savez, le cousin d'Aya, de Nakamura, hein, pour ceux qui ont le ref. Et le bail, c'est que en gros, à la base ça a commencé avec un délire de théâtre, puis après il nous a parlé d'une teuf, et en fait il y a eu un problème dans les rues, et en fait, bref, il veut monter un mouvement, il veut qu'on se révolutionne, mais ça ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, messieurs dames, on a un objectif, c'est de se taper la hyène. Dans l'épisode précédent, c'était le scarabée, qui m'a trahi, sale bâtard. J'ai été à ses côtés, je l'ai aidé à accomplir des trucs, et au dernier moment, il m'a pourri, enterré dans le désert. Et il y a eu des moments que j'ai bien aimé, mais quel connard! Ah, c'est terrible. Et j'espère que le papy à la langue coupée arrivera à raisonner le gosse qui veut ma mort, parce que bah, j'ai tué son père en fait. Sauf qu'il a 5 ans et demi, il faut l'excuser. Avant qu'on aille faire ça, messieurs dames, je voudrais passer vite fait au tisserand pour changer de flow. Parce que je suis un clochard certes, mais un clochard qui a des sous et un clochard qui va en profiter pour acheter des pots déjà. Ça sera fait. En fait, je pense qu'à chaque fois que je passerai dans un magasin, j'en profiterai. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a moyen, attends, vu qu'il y a deux tisserands, d'acheter aux deux. Bonjour. Est-ce que je peux t'acheter? Oh, let's go. Oh, les gars. Ah, par contre, je suis pauvre, attends, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé au moment où je serais pauvre. Non, attends, plus sérieusement. Plus sérieusement, je peux vendre des armes. J'ai 1 milliard d'armes que je n'utilise pas. Alors, on va repérer une tenue qu'on aime bien. Voyons voir. Ouais. Bon, c'est des dérivés de la tenue que j'ai, par contre, les gars. En vrai, on n'est pas obligé de prendre celle-là. Il y en a des sympas, là, mais... J'aime bien celle-là. Celle-là, bof. Attendez, je regarde ce que les deux, elles proposent. Si c'est pas la même chose. Rebonjour. C'est pas la même chose. Oh, il est sympa, le commandant Perse. Oh, le commandant Perse, j'aime bien. Ou alors le maraudeur de la mer rouge. Bon, je vais essayer d'aller me faire 2000 balles en vendant des armes au forgeron à côté. Vous préférez laquelle? Vous préférez la épique, commandant Perse, ou maraudeur rouge? D'ailleurs, maraudeur rouge alors que la tenue est bleue, c'est débile. Ah oui, c'est vrai, on a obtenu cette arme-là, santé émination. Donc du coup, dès que je vais me taper un fil à caisse, il va me donner une arme légendaire. Incroyable. Ça, ça pue la merde. L'épée de Pta. L'épée de Pta m'embête parce qu'en vrai elle est stylée, mais en vrai je m'en bats les couilles, je crois que je vais quand même la vendre. J'arrive pas à me faire beaucoup de sous, c'est pas ouf. Oh, le phénix, 1000 balles. Vendu. Et dire que j'avais dit que j'attendrais. Le serpent de Saraphis. Vas-y, flemme. Il me faut 2000 balles. Il me faut 2000 balles, on va les avoir. Peu importe comment. J'aurai plein d'occasions, de toute façon, d'avoir le trophée. Voilà. De vendre les 100 trucs en même temps. Let's go, donc j'ai 2000 balles. Pour info, Kazma, tu es toujours dans la catégorie discussion sur Twitch. Oui, je sais. Mais faites pas attention à ça, je ne change jamais de catégorie. Parce que, en fait, quand t'es dans la catégorie discussion, j'en ai déjà parlé, c'est une optimisation du stream. C'est-à-dire que si tu te mets dans une catégorie propre, il y a que les gens qui vont chercher le jeu qui vont te trouver. Alors que si t'es dans la discussion générale, c'est des gens qui fouillent et qui traînent sur différents streams et à un moment ils peuvent tomber sur toi. Alors que si le mec il cherche pas de base Assassin's Creed Origin, ça va être compliqué. En sachant que vous savez comment ça fonctionne sur Twitch, en gros plus il y a de viewers sur un jeu, plus il est en haut des tendances. Et forcément des jeux comme Assassin's Creed Origin, aujourd'hui quasiment personne n'y joue, ou presque, parce que bah, Assassin's Creed revient de temps en temps, puis après il y a des nouvelles sorties et tout machin. Bref, si vous cherchez pas le jeu, c'est compliqué. Donc non, c'est voulu, je suis en discussion constamment, c'est plus simple. Sauf de temps en temps, par exemple pour God of War Ragnarok, je me mettrai dans la catégorie du jeu, parce qu'il y a des gens qui vont chercher le jeu à ce moment-là. Mais c'est straté. Du coup, ouais, vous préférez quelle tenue? Non, c'est totalement volontaire, mais t'inquiète, t'es pas le premier qui me pose la question. J'aime bien le commandant Perse. En fait, je cherche surtout des flots qui changent un peu. Parce que le problème, c'est que ça, là... En vrai, elle change. Elle change, je vais pas dire le contraire. Mais ces deux-là, c'est globalement les mêmes avec des coloris différents. Je veux dire, même la ceinture, c'est la même. Non, mais vas-y, je prends le commandant Perse, j'aime bien. Je dis pas, on va prendre que des tenues épiques.
Mais en vrai, moi ça me plaît. Donc pour l'instant, let's go. Commandant Perse. Alors, fais voir. C'est pas mal, par contre. Est-ce que je préférerais pas... Ah, je préfère comme ça, quand même. Hein. Ça fait du bien de l'avoir, la bouille de notre clochard préféré. Alors, aujourd'hui, on a dit la hyène. Et la hyène, du coup, on sait à peu près où c'est, parce que, voilà, on se rappelle. J'étais passé la dernière fois vers le sphinx femelle, là, à propos, d'ailleurs, des constellations. Je l'ai appris en même temps que vous. Parce que une fois que j'aurai fait toutes les constellations avec les cercles de pierre partout dans le monde, enfin, je reviens ici pour déclencher quelque chose et obtenir ce trésor en particulier. Mais... Du coup, non loin de là, on avait eu un moment, une phrase qui nous disait que la cible était dans la zone et qu'on pourrait s'y intéresser dès que le moment serait venu. Je dois aller parler à Mered, l'homme d'Apollodorus. Let's go. C'est un négociant qui se trouve quelque part sur ce marché. Et si les choses se passent bien, ça devrait me prendre un peu plus d'une heure. Objectif, les gars, je lance la cible et je quitte pas l'émission tant que j'ai pas terminé le monsieur. Ou la madame. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu de dame, d'ailleurs. Ah, mais après, les femmes puissantes en Égypte antique... Alors, il y a Cléopâtre. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais à part elle, je suis pas sûr qu'on croise des nanas sur la route. Ce serait bien, mais je pense pas. Bienvenue chez Mered, voyageur. Alors, qu'en penses-tu? Rien. Alors, va-t'en. Ah, mais je n'ai pas fini. Que veux-tu dire? Je n'ai rien d'autre à te montrer. Mais tu as des choses à me dire, au sujet de la hyène. Ah, c'est drôle. Il se trouve que c'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Oh, mais vraiment en plus ? Attends, mais j'ai 100 balles, du coup ? Parce que je viens de déposer... Oh, le bâtard, j'ai même pas 100 balles. Attends. Non, le jeu m'émet pas une carotte. Non, le jeu, il me met une carte. Mais j'ai pas 100 balles. Tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire? Bah non. J'ai pas assez. Dans ce cas, j'attendrai. Mais le pire, c'est que le gars, techniquement, il me demande le prix d'une baguette, en fait. C'est juste que... Merde, j'ai pas 100 balles. Attends, il faut que je me TP à un endroit où je suis proche de magasin. Là. Réfléchis pas, Kazma. On va à Saïs, je prends le premier forgeron qui vient. J'ai pas 100 balles! Le pire, c'est que j'ai été trop con. J'utilise pas assez la vision. Mais s'il faut, il y avait peut-être des pots, j'aurais pu... Merde, j'aurais pu. Tant pis, c'est pas grave. D'ailleurs, j'achète des tenues parce que j'aime bien, mais à un moment, faudra peut-être que je joue aussi pour acheter des montures. Hein. En même temps, si tu veux, mon cannabis, il est tellement... tellement efficace que j'ai pas forcément l'envie ou le besoin. Vas-y, va poursuivre. Voilà. Je préfère me garder un arc dans chaque catégorie, c'est plus simple. Putain, regarde, j'ai fait 38 km pour aller chercher 100 balles. Le dab le plus proche de l'Égypte antique, il est dans 8 villes à côté. La connectivité des quartiers paumés comme ça... Ah, c'est tendu, hein. Heureusement qu'on est sur Series X, que le jeu est optimisé, que les chargements vont vite, bordel. Ah, mon Dieu. Ah, putain, le pire, c'est que pour rentrer, c'est de l'autre côté. Génial. Ah, le dab le plus proche était à 28 km, quoi, ça fait mal! Ah, la pauvrance de l'homme! Mon dieu. Attends, je veux quand même savoir. Est-ce que j'aurais pu me faire des sous juste là? Ouais, j'aurais potentiellement pu. Ouais, bon, ça aurait été long quand même. Hein. C'est pas perdu. Ah, par contre, j'ai vu. L'homme a vu, là. Augmente les dégâts de la lame secrète. Let's go, ça arrive tellement jamais. C'est vrai que la lame secrète, vu que c'est des minerais, c'est ce que j'ai toujours le moins en fait. Et du coup, pour la question, mon assez préféré, c'est Black Flag, le 4. Tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire? Tiens, espèce de rapace. Maintenant, qu'as-tu à me dire? La hyène, ce n'est pas son vrai nom. Bon. D'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver? Son nom, c'est... Calicette. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différend. Ils campent dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval, et je te donnerai ce que tu cherches.
Je me demande bien pourquoi Apollodorus t'apprécie. Bah, à part pour la douille de sous pour le moment, ah, j'allais dire ça commence mieux que pour le Scarab parce qu'on avait un nom mais on n'avait pas une image. Donc on a carrément le profil complet, ok. Mered a ordonné à ses hommes de vous aider, le cheval se trouve dans les hauteurs au sud du marché. Là. C'est loin quand même, hein. Par contre, il y a un endroit à piller, donc on va piller l'endroit. Oh, j'aime tellement cette zone. On est près de Gizeh et ça se sent, genre, je sais pas, il y a un truc dans l'air en fait. Ah mais vous me suivez, vous? Ah oui, d'accord. Ah oui, on y va sérieux, en fait. Eh ben, let's go, les enfants, hein. RDV là-bas, hein. Et du coup, faites-moi penser, dès que j'aurai terminé la partie histoire avec la cible du jour, qui est une femme, du coup. Attends, putain, je viens d'atterrir. Eh ben, voilà. Let's go. Let's go. Je dis quoi? Il y a 5 minutes, hein. Ouais, ce serait cool et tout machin si pour une fois on avait une femme importante. Le jeu m'écoute! C'est toujours pareil! Les jeux vidéo aujourd'hui, c'est les Google modernes programmés! Putain, mais est-ce que le jeu s'est vraiment dit? Enfin, est-ce que les devs se sont vraiment dit? Ce serait bien si le joueur il pouvait se poser la question à ce moment-là. C'est vrai que ça manque de nana importante. Putain, mais ça arrive tellement au moment où je me pose la question, c'est incroyable! Ah, ça me fume! Ya! Et ya! Et hop là! Salopard! Salopard! Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah oui, du coup, je suis vachement bien parce que. Merci, bro! Attends, je suis vachement bien parce que j'ai récupéré mon arc de flèche enflammée. Putain, attendez! Génial! Très heureux! C'est la douille, ça douille! Je vais mourir. Ok. On est concentré. On est concentré. Ok, ma vie remonte. Oh, il m'a mis à mal, hein. Il m'a mis sacrément à mal, hein. Et toi, là, culé. Moins un. C'est bon. Ah, oh, putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Le jeu qui m'a balaye. Bon, je suis content que la cible ce soit une nana. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merde. Et toi, tu meurs. Merci. Et donne ta peau. Let's go. Ah, du gueule. Ah. Attendez. Il y en a encore un qui fight. Il est où? Là-bas. Hein? Attends, quoi? Tout là-bas? Putain, j'allais dire c'est un mec dans un hélicoptère. Comment ça se passe? Mais, sous ma gueule en plus. Viens là. Culé de toi. Yahoo. Ok, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Attendez, parce que je dérive de ouf de ma cible. J'ai plus de flèche, on est là. Let's go. C'est pas grave. Arrête de t'écarter par contre, s'il te plaît. Non, j'ai dit. C'est bon. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je me fais embrouiller par les quartiers. Parce que c'est des quartiers chauds du désert. Genre Gizeh, les gars, n'y allez pas, hein. C'est les mauvais quartiers. Aïe 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 aïe. C'est bon. On discute là. Putain, quelle merde. Mon cheval. C'est lequel? C'est celui-là. Très bien. J'ai pas encore atteint l'objectif, hein. C'est bon. Parfait. Donc ouais, après la cible, qui est une femme, faudra que je pense à aller ouvrir un petit peu la map en plus, parce que j'avais dit que ce serait mon objectif. Merci pour le follow. Bienvenue, Yogal. Un ami de Mered? Pas vraiment. C'est un allié nécessaire. Les alliés de Mered sont rarement des protecteurs. Ok, on a la cible. Attendez. YouTubereux. Alors du coup, le jeu a crashé, comme dans l'épisode précédent. En vrai, pour toi, ça fait deux VOD totalement différentes. Pour moi, vu que je l'enchaîne forcément à la suite de l'épisode d'avant, ça fait deux fois en une demi-heure, donc ça commence à faire beaucoup. J'espère qu'on va pas avoir droit à un troisième crash d'ici à la fin d'épisode. Alors, j'avais commencé l'assaut, et bah du coup, faut qu'on recommence. Voyons voir. Donc, on a le capitaine. Voyons voir. Par contre, là, je suis totalement dans l'autre sens, en fait. Ah non, tout à l'heure j'étais arrivé de là, d'accord. Et du coup, ouais, j'avais vu qu'il y avait un trésor là. Et il y avait un autre trésor. Non, bah c'est bon, je crois que j'ai tout mappé. Bon, alors attends.
Parce que tant qu'à faire... vu que je suis là, les gars... L'XP, ça coule plus à foison avec les quêtes. Vu que ça évolue pas des masses en termes de récompenses. Je vais récupérer ce que je peux. Parce que les postes, ça donne un peu quand même. Mais c'est chiant parce que je peux pas faire la zone en étant discret vu que je suis avec mes potes qui embrouillent tout le monde là, bande de cons. Mais il est où ce trésor? Attends. Ça fait deux fois que je rentre là. Ah mais là! Ah mais j'avais pas vu ce passage, d'accord. Ok. Et voilà, on l'a trouvé. Parfait. Et au passage... Hop, quelques pots, ça fait plaisir. Ah là, on est content. Ça commence à se bagarre en haut ou pas? Non, ça se bagarre pas. Hein. Par là. Eh ben. Le jeu qui est contre moi. Hein. C'est pas grave. Bon, de toute façon, vu que ça va finir en mêlée générale, les gars, on va pas... on va pas essayer de strater. Ah mais si, regardez. Ça y est. Ça y est, ça bagarre. Ça bagarre fort même. Par contre, les mecs, évitez de mourir si possible. Genre, que je me retrouve pas solo avec vos Regarde, voilà. Que je me retrouve pas solo avec vos problèmes. Exactement ce que je dis, les gars. Bouya. Esquive. Bouya. Nique ta mère. Attends, je vois rien du tout. Ya. Est-ce que j'ai des flèches? Ok. M'a même pas rendu de flèche. Régnal. Y'en a. Y'en a le big boss. Ok, on lui met. Voilà. Ok. La capitainerie, c'est fait. Bon, cela dit, il reste quand même les camarades. Du coup, il reste que toi, c'est ça? What the fuck? What the... Ah, bonjour. Viens là, chacal. Viens là. Tu commences à... Non, tu commences à te bagarre, t'assumes. Sois un homme, porte tes couillasses. Même si elles font pas du feu. Quoique les tiennes, elles font du feu. Ah, je crame. Ah, il connaît la technique. Ah, je sais, ça y paraît. Pfiou. Attends, je suis tout seul, là. Oh, yes. Mais... Bah, écoute, venez tous là, moi, ça me va, hein. Ça m'évite de venir vous chercher. C'est bon, Nekota? Bien. Merci beaucoup. La dernière fois, j'ai amélioré mon arc. Parce que je savais que je voulais le garder avec les flèches de feu, là, super pratique. Par contre, l'arme de corps à corps, pour le moment, j'ai pas encore trouvé l'arme que je vais vraiment conserver un moment. Donc, je garde un peu mes sous. Surtout que je me suis appauvri d'un coup, en fait. J'avais des sous et d'un coup d'achat, j'en ai plus. Hein. Ils sont nombreux. Ah ouais, mais là... Ouais, non, ça va être compliqué. En fait, dès le début, j'aurais dû attaquer d'en haut. Ah putain, puis j'ai pas d'arc. Bah ouais, parce que je me suis fait embrouiller dans la rue avant de venir. Aïe. Ah, quoi? Qui attaque? Et pourquoi j'ai perdu les repères sur les hommes, là? Oh! On est où, nous? Quoi, ce quartier pourri? Viens de battre. Archer, t'es mort! Comme un homme! Les gars, j'ai pas le temps de disparaître! Y'a tous les pélos qui viennent me chercher directement! C'est bon là? Ah mon dieu! Bon alors attends. Ok, un commandant, un trésor. C'est bon? On discute? Bien. Alors, ah et du coup, je me suis refait des flèches. Parfait. En fait, c'est là où je me dis que si j'avais la capacité avec Xenu, tu sais, pour foncer directement sur eux avec Xenu, je pourrais étourdir le gars là-bas. Et pendant qu'il l'étourdit, je pourrais assassiner celui-là. Bon, en vrai, c'est passé, mais ouais, voilà. Il a remarqué un truc chelou. Oula. En vrai, j'ai eu de la chance, mais. Et moi, ça a fait gling-gling. Ah, pas fait gling-gling, hein. Et d'accord? Non, c'est bon. Ok. Let's go. El comandante. C'est bon. Mais tu ne les savais pas encore. Et toi, là?
gardien du coffre. Tiens, moi aussi. Voilà. Parfait. Ah là, c'est comme ça qu'on récupère des vrais sous. Parfait, tain, 600 points pour l'avant-poste. Mais let's go, en fait. Le cheval se trouve dans les hauteurs. Ok. Ah, parce que du coup, avec tout ça, je me rappelais plus ce que j'étais venu chercher. Doit être le cheval de Mérite. Allez, Cassos. Il a omis de me dire que ses clients étaient des brigands. Il a omis, effectivement. Merde, il en restait un. Nique ta race. On va se le faire avant qu'il appelle les autres. C'est bon. Olé. Eh ben, c'était quand même des brigands bien équipés, hein, en tout cas pour les chefs. Hein. Pour la capitainerie, vénère un peu. Hein. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Outre le fait que je me sois fait attaquer sur la route, qui a fait que j'ai perdu toutes mes flèches pour optimiser l'assaut, que j'ai perdu les deux potes qui m'a filé, et que le jeu est crashé. Ça s'est bien passé. Quoi? Quoi? Non mais, qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu m'embrouilles? En plus, t'es même pas un bandit, t'es de la police, toi! Genre, il y a marqué voler sur mon cheval. Genre, il clignote en rouge en mode carjacky. Nique-toi. Greux. Il y a vraiment un truc avec la police, je ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est pas grave. Bon, victoire! Ah, regardez-moi ça. Tu avais oublié de dire que c'était des brigands qui l'avaient. Une simple omission. Bien. Plus fort que le mien. Je croyais qu'il t'appartenait. Oui, bien entendu. Tu m'as rendu un fier service, mon ami. À toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne, derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de silice, les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Si je découvre que tu te moques de moi, ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Et tâche de rester en vie. Ok. Bon, déjà, il m'a baisé. J'ai pas trop aimé, mais genre, il m'a baisé plusieurs fois en plus. Hein. Balèze, pour le coup, balèze. Donc, on a eu la cinématique un peu plus travaillée avec les autres. Je pense que ça veut dire très clairement qu'on attaque la cible pour de vrai. Ok. Trouver le repère de Calicé dans les hauteurs à l'ouest des pyramides. Et ben, voilà notre prochain objectif. Mais du coup, il y a un truc que je me posais comme question. Attendez. Parce qu'apparemment, elle est à la recherche de ces pierres-là, les silices. Vous savez, les pierres un petit peu uniques qu'on croise de temps en temps et qui font de la lumière dans le noir. À quoi ça sert? Les gars, des silices, j'en ai récupéré quelques-unes. C'est pas évident à avoir. Je comprends que ça fait partie des minerais un peu rares à trouver. D'ailleurs, c'est le plus rare pour le moment. Si jamais il n'y en a pas d'autres qui pop entre les deux. À quoi ça sert? Je sais pas, je veux bien... Mais qu'est-ce que tu me veux? Mais c'est pas vrai de vouloir m'embrouiller comme ça tout le temps! Attends, mais il y a marqué connard sur mon front, c'est pas possible! Non mais vraiment, foutez-moi la paix! Tout le monde veut me carjacker dans la rue, gratos en plus! Ok, bon les gars! Si ça se passe comme il faut, cette mission devrait aller plus vite que le scarabée. Et du coup, par la suite, on pourra dériver en direction de nouvelles terres. Et sûrement que l'épisode sera peut-être moins long que le précédent. Mais au moins, on aura encore avancé. Et à un moment, il faudra qu'on regarde pour prendre du... Qu'est-ce qu'on est en train de regarder, là? Pendant deux secondes, j'ai vu que c'était démultiplié, déjà. Vous étiez en train de faire un gangbang de yens? Ouah! Bouillard! Oh, cette gratuité! Tac, 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 tac! Tu es 3 ennemis d'un coup. Ouais, peut-être plus que 3 là. Et bah ça valait bien l'arrêt. Ah mon dieu. J'ai visé l'arrêt de la hyène. Hein. Incroyable. Et je suis toujours pas niveau 22, je pue la merde. Ah c'est terrible. Ah depuis qu'on a passé le niveau 20, c'est compliqué. Hein. Oh, comment je vais passer le niveau 25? Ouais, bah on va trouver un moyen. On va trouver un moyen.
Dans cet épisode, on passe minimum niveau 22. L'idéal, ce serait carrément le niveau 23. Et comme ça, ouais, comme ça, j'avance autant que je peux, en fait. D'ailleurs, techniquement, là, on est en train de tourner l'épisode 8. Parce que du coup, tout à l'heure, on a fini l'épisode 7. Je réfléchis. Donc 8. 8, c'est la hyène. Si j'arrange bien mon coup, la prochaine fois, c'est le lézard, donc l'épisode 9. Et du coup, l'épisode 10, ce serait le crocodile. Mais pour accéder au crocodile, le truc, c'est que sa quête est niveau 25. C'est pour ça que j'essaye d'être niveau 25, les gars. C'est un repère dans l'espace. C'est pour moi. C'est, je préfère attaquer les quêtes en ayant le niveau minimum requis. Parce qu'en vrai, tu peux le faire. C'est juste que ça me donne l'impression d'être mieux préparé. Mais du coup, ouais, ça fait de la prise de niveau, hein. Ok. Ok. Néobattre. Néobattre. T'as pas de coucouille. Ok. Dit-il à cheval. Alors. Calicette. Où c'est? Je sais pas trop. Nique-toi. Parfait. Objectif à proximité. Alors. Attends. Attends. J'ai entendu Groaro. Non, c'est bon? Ok. Alors. Des hyènes. Et on a potentiellement la cible. Comment ça en captivité? Attends. Ah mais non, mais c'est un perso random. Hein? Attends, mais je suis au bon endroit ou... Qu'est-ce que... C'est un putain de traquenard. Il m'a pas envoyé chercher la personne qui s'appelle la hyène. Il m'a envoyé traquer la hyène. La hyène des hyènes. Bonjour. Attendez. Parce que là, il y a manigouille. Je l'avais dit que je le sentais pas, hein. Je suis pas trop sûr là de ce qu'on vient de voir. Attends. Voilà, ça dégage. Mais attends, mais c'est un camp là-haut? Parce que ça ressemble à un camp. Je comprends pas. Qu'est-ce que. Hein? Mais non, mais je m'en fous du trou là. Je voudrais grimper, s'il vous plaît. Oh, c'est pas évident. Là. Merde, attends. Là. Hello? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On y va en mode full assassin. Tu es l'animal. Pourquoi aurait-elle enfermé un loyal serviteur? Mais what the fuck? Il n'y a aucune trace de Calicette. Pour une fois, Mered ne m'a pas menti. Il faut que je découvre où elle est partie. Mais comment tu sais qu'il t'a pas menti du coup? Parce que là, pour moi, il m'a baisé, hein. Attendez. Oui, j'ai entendu le gars qui gueule. J'ai entendu. Non. Deux secondes. Ne laisse pas m'emmener. Venez vous battre. Aïe. Je ne veux pas mourir. Ta gueule. Je viens de sauver après. Pleure pas. Le boss. Attends, non, c'est pas le boss, ça. Merde. Je crois que j'en ai tué un random. Ah merde, c'est lui le boss. Ah oui, t'es plus beau, mais en vrai t'es toujours aussi faible. Ok, bah let's go. Tanière des hyènes, c'est fait. Mais non, mais attends, tu dis t'as pas menti, pour moi il m'a full menti. Il m'a dit tu la trouveras là-bas. Au secours. La gueule, arrête de crier, vraiment, arrête de crier, ça va bien se passer. Ah Didi, à toi aussi. Mais Jai, merci de ta pitié. La hyène, où est-elle? Je ne sais pas, je... Il ne reste plus que moi. Elle a emmené les autres il y a plusieurs heures. Elle les a emmenés où? Elle va les tuer. Je le sais, elle... Ses mains, par les dieux. Elle a tant de sang sur les mains. Calme-toi, mon ami. Tu es libre. Je me charge de Calicette. Eh ben, ça a l'air bien la suite.
Et pourquoi ? Alors attends, progression de l'investigation. Voyons voir. Il me faut des informations. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Le tombeau de Khéops. Elle a indiqué chaque fissure. Elle n'a pas terminé. C'est là que je la trouverai. Je vais aller vers les pyramides. D'accord. Un dessin de la grande pyramide de Khéops, probablement de la main de Khalissé. Son intention semble avoir été attirée par quelque chose situé sous le tombeau. Ah ! Attendez, attendez. Let's go, niveau 22 ! Non ! Non ! Ah putain, il y a 3 pyramides. Me dis pas que j'ai été explorer la seule pyramide où de toute manière le scénar t'y emmène. Oh, c'est pas vrai. J'en t'ai marre. Ah mais c'est trop moi. J'ai été voir la plus grosse parce qu'il y avait le point d'observation et donc j'en ai profité pour faire le tombeau dans je sais plus quel épisode. Et t'es en train de me dire que la seule pyramide où je suis allé chercher le point de compétence associé, c'est la seule où justement tu y vas avec le scénar en fait. Ah d'ailleurs, peut-être que ça sert de tuto. Parce que jusqu'à présent, toutes les tablettes anciennes, c'est moi qui suis allé les chercher et peut-être que là le jeu il te dit « Au fait, t'es niveau 20, mais est-ce que tu savais que si t'allais là, tu peux avoir des points de compétence ?» Parce que le jeu il aime bien faire ça aussi. Hein. Toi ça fait 20 heures que tu joues, bien sûr tu le sais, mais le jeu il te l'indique quand même au cas où. Alors attends. Ah mais c'est ça, hein, je crois vraiment qu'elle est à l'intérieur. Khalissette doit être à l'intérieur. Oh j'ai le mort. J'ai le mort, elle est vraiment à l'intérieur. Ah si pas vrai, ah si pas vrai. Mais je suis déjà venu. J'ai déjà tout pillé. Toi, qui ose entrer ici, où le silence est de rigueur pour elle. Un Medjay qui a gravi bien des dunes pour te trouver. Tu peux te cacher, Yen, mais ce tombeau ne te protégera pas. Je t'ordonne de t'arrêter. Si tu fais demi-tour, ton intrusion te sera pardonnée. Il n'y aura pas de pardon pour Siwa. Je me rappelle à peu près de la route, hein, j'en profite. Par contre, là, j'ai un doute. Je crois que c'était en haut, hein, mais... Ok, alors j'ai une question. Dans quelle salle je suis censé la retrouver ? La salle finale ? Genre avec la tablette ou est-ce que je la trouverai entre deux ? Ah mais damn quoi, je suis venu dans cette seule pyramide, elle est là. J'y crois pas. Non, ça j'ai déjà fait. Là il y avait le passage secret, on s'en rappelle. Ok. Regardez, même l'énigme elle a déjà encore été. Ah j'y crois pas. Bon meuf, t'es là ou pas ? Ah. Merde, elle est pas là. Merde, attends, elle est pas là du coup ? Donc je vais la trouver où, elle ? D'accord, donc il y a un autre endroit d'intérêt, je suppose. Attends. Parce que là, j'ai fait le chemin que je connaissais, mais si elle est pas là... Là, il y avait le petit placard, on se rappelle. Oh, c'était il y a tellement pas longtemps, en vrai. Mais du coup, je sais pas où je vais la trouver, la meuf, moi. Il y a des annexes. On va la trouver, pas de panique. Par contre, juste, bah, faut ressortir, du coup. Attendez, où, là? Ok. Madame! T'y es où? Joli. Appréciable. Madame! Elle se cache dans la pyramide, elle se cache dans la pyramide, mais la vache! Après, c'est aussi balèze de la part des développeurs d'avoir vraiment fait un truc un peu énigmatique en mode... Ok. En mode, y a pas qu'un seul truc à aller chercher, y a pas qu'un seul chemin, y a pas qu'un seul objectif. Et là, on ressort d'où, du coup? J'étais pas passé par là, je crois. Oui, ok, oui. Si tu veux. Je m'enfonce dans le trou du cul d'univers. Et c'est ça les poussiéreux. Et je m'y connais. Ah. Attends, qu'est-ce que j'ai vu? Ça. Non, ça pue la merde. Bon. Bah j'ai refait le même chemin. J'ai fait exactement le même chemin que la première fois. Je suis où par rapport à l'entrée là? Oh. Oh, LED. Non. Bon. À pouvoir refaire encore du toboggan. Ah. Merde, du coup, elle est où? C'est par là? Attends. Oui, c'est bon.
Allez, allez. Quoique, attends, c'est pas le bon côté, là. Si, c'est bon. On y va, on y va, on y va. En fait, le vrai bail, c'est que juste Balek, il voulait refaire des tours. Hein. C'est juste ça. Hein. Donc, elle est pas là où je pensais la trouver. D'accord. Donc, meuf, où c'est que je vais t'avoir, du coup? Là. Descends. Ok, on y retourne. Donc, cette fois, je vais aller à droite. Mais il me semble qu'à droite, c'est un cul-de-sac. Bon, de toute façon, je sais pas où la trouver, donc pas le choix. Il va y avoir un délire sacrificiel quelque part, mais vu que j'ai pas pu s'explorer que ça, vu que j'ai trouvé assez rapidement ce que j'étais venu chercher la première fois. Au bout du compte, je sais pas où elle est, hein. Mais par là, je me rappelle d'un cul-de-sac. Pauvre idiot. Ah bah non, c'est par là. Cosette, maîtresse de la magie. Ce lieu est la demeure des dieux. Quel mauvais tour est-elle en train de préparer? Ah putain, c'était vraiment par là, hein. Donc là, c'est dans le trou? Oh mais oui, je me rappelle de ce trou même que j'avais dit. Ouais, c'est pas par là, bizarre, je sais pas où aller. Et maintenant c'est ouvert, c'était pas ouvert avant. Cette porte piégée. Oui. Mécréant, celui qui est éveillé dort. Si tu fais encore un pas, ton sang irriguera ces plaines arides. Ah, le jeu est beau, hein. Vraiment dans les tombeaux, c'est très très stylé avec l'effet poil de couille embrasé. Non, non, mais en fait, la première fois que je suis venu dans cette pyramide, j'ai tourné à droite, et donc je suis venu jusqu'ici. Et en fait, cette porte était fermée. Bah, le temps que le scénar arrive, en fait. D'accord, d'accord. Bon, bah, au moins, on a trouvé. Putain, après deux tours, quand même. C'est du sable, ça? Quel est cet endroit? Un tombeau en dessous d'un autre. C'est ici que tu te caches, Yen ? Ça ressemble quand même vachement à un combat de boss à en devenir. Hein. Ouh là là ! What the fuck ? Oh purée ! À quelle horrible folie s'est-on livré ici ? Dans ce lieu obscur ouvert au regard des dieux, quel genre de rite peut-elle exécuter ? Mais non ! J'avais pas vu ! Ça y est, on va parler ancienne civilisation. Incroyable! Retransmission. Segment 3. Acquisition de contemporanéité. 95 jours écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. Vous devez vous demander pourquoi j'ai voulu vous parler. C'était écrit. Voyez-vous. Vous alliez venir dans cette salle. À ce moment précis. Les murs ont annoncé votre venue, à notre époque. Regardez-les. Ne sont-ils pas fascinants? Ces murs comptent une histoire tragique. Une histoire retranscrite sur nos structures, sur nos artefacts. Une histoire immarcessible. Un mystère qui nous met au défi. Nous avons essayé, nos chercheurs, nos scientifiques, poètes et physiciens, brillants esprits, cœurs rebelles. Ils se sont donné tant de mal pour changer les choses. Nous avons tous échoué. Nul ne pouvait changer nos découvertes, les histoires gravées sur les murs de ces salles. Est-ce que j'ai cassé l'enregistrement là ? Non. Non. Je crois que j'ai cassé l'enregistrement. Attends. Retransmission. Segment 3. Acquisition de contemporanéité. Ah, j'y crois pas ! J'ai cassé le message ! Ah merde ! Nous avons tous échoué. Nul ne pouvait changer nos découvertes, les histoires gravées sur les murs de ces salles. Par qui ? Nous ne l'avons jamais su. Nous savons qu'elle parle de l'avenir, de celui qui est advenu, de celui qui reste à écrire. C'est aussi...
Nous n'avons pu altérer une ligne. Nous n'avons pu ajouter un seul point. Tout était clair. Nous serions au mieux des messagers. Mais des messagers pour qui? Pour vous. Nous avons renié notre capacité à lire ces histoires selon votre modèle. Une porte est aussi une énigme. Nous devons trouver la solution. Tels furent les mots de Brutus lorsque nous avons visité la crypte sous le Colisée il y a plus de 2000 ans. Il a dessiné la crypte. Il a dessiné du mieux qu'il le pouvait. Mais il n'a pu voir. Tout comme vous êtes aveugle, vous pouvez lire vos montres, vous pouvez lire vos sabliers et vos calendriers. Mais vous ne pouvez aller au-delà de cette surface simpliste. Pour l'instant, la lecture du temps vous échappe. Et aujourd'hui, le rideau est tiré, et Ibra aussi est révélé, tragique et complète. Ces murs que vous ne lirez peut-être jamais. Des événements futurs tels qu'ils sont écrits. Mais quelque chose, un élément doit changer. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Le lecteur n'a aucun pouvoir. Il n'est qu'un observateur. Mais l'auteur. L'auteur invente l'avenir. L'auteur possède le futur. Un avenir où Raoul sont évités. Un avenir où un être aimé peut être ressuscité par l'écriture d'un nouveau chapitre. Un avenir où l'humanité est bien plus qu'elle n'est aujourd'hui. Un avenir où nous pourrions peut-être continuer à exister ensemble. Je crois qu'on est sur une fin. D'accord. Alors attendez, parce que du coup j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'on trouve ça. Ensuite, c'est le troisième segment, et ce qui est étrange dans cette histoire, c'est qu'on est sur la troisième pyramide, mais aussi la plus grande. Ce que je pense, c'est qu'en fait c'est un message qui est très long, pas parce qu'il est dicté à un rythme en particulier qui est très, qui est soutenu, mais qui est un peu... tranquille, si tu veux. Donc je pense qu'en fait, tu as trois histoires, mais qui en font qu'une seule. Et du coup, ça parle de... bah, de grandes personnalités de l'Égypte antique, mais qui font référence aussi à d'autres cultures, et notamment la Grèce antique aussi. Donc pas que l'Égypte antique. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, tout à l'heure, on parlait du lien entre les trois jeux, de la dernière trilogie mythologique, en disant qu'ils n'avaient pas plus de liens les uns avec les autres. Je pense que c'est plus profond que ce qu'on croit. En mode, c'est pas le héros avec ses actions directement qui est lié aux autres jeux, mais je pense que c'est dans la profondeur de la mythologie et de l'antiquité et de ce que les trois univers ont créé ensemble. Je pense qu'ils sont liés, parce que de toute façon ils sont liés d'une certaine manière, et j'arrivais pas à trouver où. Je pense qu'on est sur un gros truc. Mais du coup, ouais, alors c'était long, on m'a dit de passer tout dans le chat. Les gars, moi je découvre, je pense que certains aussi, ou certains veulent redécouvrir, ou veulent écouter. Je suis désolé d'avoir coupé en plein milieu, je pensais pas qu'en allant par là-bas, ça couperait le message. Mais... J'ai trop de questions, et en même temps, je saurais pas comment les formuler, parce que j'ai pas tout compris. Il y a encore trop de choses énigmatiques. En tout cas, ça a l'air bien bien cool. Alors ça, c'est quoi? Quitter le tombeau. Ah carrément, genre téléportation, ok. Ok, on est en train d'apprendre que la pyramide est un vaisseau spatial de la civilisation antique. Si vous avez regardé sur les écrans qui sont apparus là, on a vu deux pommes d'Éden, gardées du coup par deux hommes sur les côtés, et le sceptre d'Éden que possédait Rodrigo Borgia à un moment de l'histoire. Alors je sais pas si c'est celui-là en particulier, mais ça veut dire... Le protecteur des morts. Parce que normalement, une pomme d'Éden... est disponible sur un continent. Ça veut dire que trois continents se sont battus. Trois histoires, trois personnalités, trois images, trois dominants, trois personnes au-dessus du lot. Et c'est marrant parce que au bout du compte, on a trois jeux. Vous voyez ce que je voulais dire ?
il y a bien plus de liens entre les trois jeux que ce que les gens pensent. Encore chaud. On m'a dit que Odyssey était pas du tout lié aux deux autres. Moi, je commence à me dire que les trois jeux sont vraiment liés fort fort, mais que juste la plupart des gens font pas attention ou écoutent pas totalement tout ou lisent pas ce qu'il faut, et que c'est là-dessus en fait qu'on perd les informations en question. Après, je comprends, hein, c'est compliqué aussi parce qu'il faut avoir une bonne lecture ou une deuxième lecture ou une troisième lecture des fois même, mais en fait, non non, les trois jeux sont totalement liés. Hein. On va aller plus loin parce que pour le moment on a rien, mais là déjà ça balance beaucoup de théories hein, pour une personne qui comme moi a fait que pour le moment Origin à son stade actuel. Hein. Tracer ses symboles. Mais du coup. Essayait-elle d'en découvrir le sens. Ok, ben bah on trouvera les autres secrets. Hein. On trouvera les autres secrets. Du coup, il reste que ça. Ce sarcophage est décoré de déesses de la mer. Il est couvert de symboles étranges. Ah oui, mère comme maman. Moi, je pensais que c'était mère comme la mère. Ce que Calicette cherche à faire ici. Calicette exécutait un rite. Ses premières offrandes étaient adressées à Osiris. Elle a sacrifié ses prisonniers à l'aide d'un couteau. Elle a récupéré leur sang pour ses sombres desseins. Elle a essayé d'apprendre ces étranges symboles. Elle a dû les trouver dans cette salle. Dès qu'elle a appris les symboles, elle les a gravés ici. Et elle a fait une dernière prière au-dessus du sarcophage. Calicette devait sûrement tenter de ramener quelqu'un à la vie. Mais qui est enterré ici ? Qui est enterré ici ? Et effectivement, oui, il y a un lien en plus de tout le reste par rapport... aux anciennes personnalités, aux personnes dominantes, aux personnes qui possèdent les pommes et tout machin, et les autres pouvoirs d'Eden, c'est effectivement Layla. Layla, du coup, qui est l'utilisatrice pardon, de l'animus en dehors de tout ça. Bon, alors, c'est qui là-dedans ? Un enfant. Mon enfant ! Tu as perdu ton enfant ? Non ! Son repos n'est que temporaire. Tu es intervenu dans sa renaissance. Et pourtant, tu as rejoint l'ordre ! Ravagez ce tombeau ! Calicette ! Ne prononce pas mon nom ! Mon nom ne peut franchir les lèvres de celui qui l'a déshonoré ! Je suis une bonne mère. Aya ! Je suis une bonne mère, dit-elle, avant de me tirer dessus. Tu es Calicette, à l'affût le tombeau, let's go. Bon, ouais, il s'est passé beaucoup de choses là. Hein. Non les gars, ça va plus loin que ce qu'on pense. Hein. Les trois jeux sont bel et bien liés. Hein. Et là, j'en suis convaincu, avec le peu qu'on a eu. Hein. Par contre, il faudra qu'on trouve les autres messages. Et je sais pas s'il y en a que trois du coup, qui sont bien dans les trois pyramides en question, mais là, je veux savoir. On est là pour ça aussi, hein. On est là pour du lore. Hein. Les personnes sur YouTube, les pro gamers, ceux qui connaissent parfaitement l'univers d'AC et qui ont des infos en plus sans spoiler, si possible, par rapport à où on en est, je suis curieux de savoir. Tu n'es pas différent de ceux qui t'ont précédé ici. Esquive ! Sans le faire exprès, mais esquive quand même. Saloperie. Affronte-moi si tu y tiens tant. Bah j'arrive. Tu serviras à la résurrection. Ah ! Je t'enterrerai dans le sable. Ah, le coup de me cramer, je m'y attendais pas. Salope ! Par contre, elle a eu le temps de grimper, hein, parlons-en, hein. Si jamais... Y'en a ! Meuf chelou ! Attends. Est-ce que... Hein ? Wesh ? Ah, d'accord. Victoire. Maintenant, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent le tombeau de ma fille ! Ah ! Ok, on y va, messieurs, dames. Boss un petit peu particulier. Oh, putain de merde. D'accord. Ah, mais on est sur un vrai boss, là ! Oh, excellent ! Excellent ! Ça change ! Oula ! Enfin, ça change à partir du moment où... Putain, elle vise bien, hein. À partir du moment où sa vie ne baisse pas en 3 secondes, montre en main. Ok, meuf. Ok. On va jouer un peu plus d'esquive. Putain, elle vise vachement bien, quand même ! Ah ! Ok. Est-ce qu'on peut faire une attaque en soum-soum ? Est-ce qu'on peut faire une attaque en soum-soum ? Et je peux pas utiliser ces nous, fais chier. Je suis venu pour toi, Yen. Inutile de mêler les dieux à ça. Les dieux ont été bafoués. Tu as souillé le lieu où repose Eché. Bon, tant pis, j'essaie de l'attaquer dans le dos, mais j'arrive pas. Intrus. Ah, tu mais elle fait mal. Voilà, viens me battre au corps à corps.
J'ai pas la bonne arme. J'ai pas la bonne arme. Tu cherches à accomplir l'impossible. Attends, pourquoi? Oui, c'est bon. Aucune magie n'est capable de nous rendre nos enfants. Ok, 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 ok. Ça parle vrai, les gars, hein, ça parle vrai. Hein. Merde, c'est un cul-de-sac. Bon, c'est pas l'arc que je l'aurai. Hein. Ok, ça change comme boss, c'est sympa. Ah! Ne pas me perdre. Par contre, bordel, c'est tendu, hein. Ya! Yeah. Ah, mais super. Ok, ok, ok. Elle est quelque part par là. On la trouve, on la trouve. Ok, elle est en face. Je te vois. Putain, mais... Oh, elle a une précision. Ma fille, mais une précision. Me sera rendu, grâce au pouvoir de ceux qui étaient là avant. Ah, c'était une fille. Ah, je suis désolé. Ah, mais non, non, la facilité. Viens m'affronter. Bah toi, viens m'affronter, arrête de fuir. Non, mais viens m'affronter, tu rigoles, toi aussi, oh. Oula, attends, j'ai pas vu. Refais. Je crois que c'est par là. Refais, excuse-moi, retire-moi dessus. Mon cœur saigne sans mon échec à mes côtés. Non, c'est par là. Sois heureux. Ah là. Ton sang aidera à la yeah yeah. Niveau 26 morte, rien ne te la rendra. Soy. Oh, tu te fous de moi. Niveau 26, la hyène. Maintenant, je t'ai assez entendu. Non mais attends, on est sur un vrai bail. Mon arme parle. On est sur un vrai bail. Et y'en a qu'une, mais putain, niveau 26. Mais ça va pas. Ah, par contre, pôle légendaire. Je sais pas à quoi ça sert, mais on est là, hein. Là, déglingue-la, vite. Ah, la vache. Arrête de fuir. Ok, bon, je lui ai mis des coups. Voilà l'homme. Ah, m'énerve, attends. Elle a pas les pop. Les puces de mes hyènes sont plus féroces. T'aurais mieux de te rendre, Calicet. Allez. C'est terminé. Let's go. Je pensais qu'elle se téléportait, mais en fait, ça va. Tchou. Quelle galère. Et c'est terminé. Vais-je marcher parmi les morts? Une fin juste. Tu as profané les morts et aidé ceux qui ont tué mon fils. Tout ça par pur égoïsme. Non! J'ai rassemblé de la silice pour eux. Elle a animé la pierre magique de ceux qui étaient là avant. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Il fallait t'en apprendre les symboles. Elle ne nous est pas destinée! C'est sans importance maintenant. J'ai voulu protéger ma fille dans la vie et dans la mort. Chaque fois, j'ai échoué. Osiris! Accorde-moi ces retrouvailles! Elle marche seule dans les champs de roseaux. Fais gérer à jamais dans la douate! Je veux retrouver ma fille! Pitié! On aime, hein. C'est hardcore, mais on aime. Puisses-tu retrouver ta fille dans l'autre monde, Calicette. Puisse le seigneur de la douate te guider. Je suis pas convaincu, mais on espère. Eh ben, c'était un grand moment. Par contre, je suis surpris d'une chose, parce que je m'attendais à une phase avec Aya. Donc c'est pas à tous les coups. D'accord. Bon, eh ben c'est parfait. Messieurs, dames, on vient de boucler la hyène. J'ai beaucoup aimé, c'était un très bon boss. Le fait de l'affronter réellement à la fin, le concept de dépop, le fait qu'elle soit accompagnée d'un mob de niveau 26, excusez-moi. Heureusement, il était solo, donc c'était largement gérable. Mais par contre, ça a failli me chier dessus à plus d'un moment. Hein. On est niveau 22, let's go. Et en plus, on a la moitié de la barre. Et ben, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On en a une heure de rec, messieurs, dames. On a encore... Ouais, encore des choses à faire. Voyons voir. Adrénaline. Donc non. Écran de fumée. Mais j'ai toujours pas les bombes incendiaires. Comment je... Attends. Parce que les bombes incendiaires, je les ai achetées il y a une éternité. Et je ne sais pas comment m'en servir. Elles sont là, hein. Attends. Comment j'équipe les bombes incendiaires?
Maintenez flèche de gauche pour vous en équiper. Mais non. Comment je fais? Les gars, je me suis jamais posé la question jusque là parce que on avait des choses à faire. Comment je fais pour équiper les bombes incendiaires? Parce que c'est vrai que dans la masse, c'est pas mal quand même. Et en plus, il y en a encore d'autres à avoir des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arrière-boutique permet d'acheter des équipements plus rares. En vrai, j'adore le concept d'arrière-boutique. Ça, c'est quoi? Permet de respirer plus longtemps. Clairvoyant. Augmentation des dégâts infligés par tous vos outils, plus 1% décomposition, fléchette, machin. Cette aptitude peut être acquise à plusieurs reprises. D'accord. On peut l'avoir plusieurs fois? J'adore le concept de l'arrière-boutique. J'ai envie de prendre ça. Mais je sais pas si c'est vraiment intéressant, genre. Fouille après assassinat. Fouille automatiquement un ennemi après son assassinat. Non. Vas-y. Ça me fait gueulerie l'arrière-boutique. On prend. Propriétaire de char. Oh, let's go! Donc on peut vraiment posséder un char. Excellent! Mais bien sûr qu'on veut. Alors attends. On va reprendre le cannabis. Parfait. Je ne sais pas comment m'équiper des bombes incendiaires, donc si jamais quelqu'un peut m'aider là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau? J'avais dit que j'ouvrirais la map. Chose promise, chose due. On va aller faire un tour, messieurs, dames. Je réfléchis un petit peu comment on fait ça. Je vais chercher le point d'observation qui est là. On va se déplacer stratégiquement. Je vais chercher le point d'observation qui est là. On va partir depuis la route. Comme ça, on sera moins éparpillé, puis ce sera plus simple pour retrouver le spot. Je vais faire un point d'observation. Ensuite, le deuxième qui descend en direction de Memphis. Dès que je serai à Memphis, je vais aller libérer, enfin ouvrir la zone d'à côté aussi. Comme ça, j'aurai deux nouvelles zones accessibles depuis mon niveau. Et ensuite, on va discuter. Il y a une quête que je voudrais faire dans cet épisode, c'est la continuité de Phanos. Vous savez, celui qui a engagé les quêtes en lien avec le théâtre là. Et la célébration, parce qu'on n'a pas fini. Et je pensais que ce serait fini dans l'épisode précédent, sauf qu'on avait approché les 2 heures. Donc j'ai dit flemme, on verra une prochaine fois. Je pourrais me faire un fil à caisse, c'est vrai. En soi, j'ai le niveau, mais ça dépend. Si on passe à côté, peut-être. Qui m'embrouille? Qui m'embrouille et pourquoi? Qui m'embrouille et pourquoi? Faites pas chier. Attends, j'ai pris le bon point d'observation. Ah oui, j'ai pris le bon. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout sur la route. Il s'est passé beaucoup de choses scénaristiquement là. Vraiment, s'il y en a qui veulent apporter leur plus à l'édifice, n'hésitez pas parce que je suis trop curieux de tout ça. Mais en fait, le truc c'est que il y a des choses, c'est difficile à raconter sans spoil en fait. Mais ouais, non, maintenant j'en suis convaincu à 200%. Les trois jeux sont liés en plus de Layla, mais pas directement sur les héros qu'on incarne et ce qu'ils vivent eux, mais sur ce que d'autres ont fait avant. Après, il y a aussi un bail de 2000 ans plus tôt. Et on sait que dans Odyssée, ça se passe 400 ans avant. Donc, c'est pas exactement la même génération. Genre, pas du tout. Par contre, les dieux, eux, les Khéops, les Brutus et autres, qui sont pas des dieux, mais bon, c'est des légendes, on va dire. Eux, ils ont vécu des vrais bails. Ah, trop de questions. Ah, mais ça, c'est des volières. Putain, je m'étais pas posé la question, d'accord. Non, c'est stylé, hein. Allez, c'est nous. Tu vas prendre un niveau. Sakontang. Ah, d'accord, si tu veux. Voilà. Ok. Ouais, les points d'observation, on rappelle, c'est important. Hein. Ça permet d'avoir plus de TP. C'est nous, obtient plus de trucs aussi. On est là. Prochain objectif. On va ici. Et toi, T. De niveau 25, donc tu m'intéresses pas. En vrai, les seuls fils à caisse que je suis chaud à faire pour l'instant, c'est soit ceux de mon niveau, soit ceux inférieurs. En vrai, je suis sûr que en me débrouillant un peu, le niveau 25, on peut le gérer. Mais vous voyez la différence qu'il y a entre un niveau de différence entre mon héros et un autre. Alors, avec un fil à caisse, laisse tomber, quoi. Mais en vrai, on pourrait strat, hein, flèche de feu et autres, ça peut le faire. Ah putain, il est sur la route. En vrai, s'il vient à moi, je serais bien tenté de le faire. Ah, je vais m'en mordre les doigts, non. Ah putain, si je le fais, je vais douiller.
Attaque de prédateur. Bah bon courage. Ah mais non. Mais non. Attends. Vous avez découvert Kerkas Zoros. Hein. Ah d'accord. Ah ok. Bah nouvelle ville. Let's go. Parfait. Très bien. Et du coup, une fois les quelques quêtes secondaires terminées, on regardera s'il n'y a pas moyen d'aller faire... pas forcément des avant-postes, parce que ça prend du temps, les avant-postes. Mais peut-être des tablettes anciennes pour aller chercher les points d'expérience. Les pyramides ? Les pyramides ? En plus, si ça se trouve, on va trouver les fameux messages manquants. Le 1 et le 2. Et donc là, là sera tout bénef, les gars. Ah, c'est joli ! Des cultures à perte de vue. Tain, c'est beau, hein. Je sais vraiment pas si Odyssée ou Valhalla vont me plaire plus, mais pour le moment, Origine me régale. Attends. Ok, ok. Je crois que le point d'observation était dans le camp, tu m'as fait peur. Enfin, j'allais dire au pire, on le fait en même temps, mais bon. C'est pas grave. Alors, nouvelle volière. Let's go. C'est nous, en fait, qui prenons de l'expérience parce qu'il est avec ses camarades, il apprend des choses directement des copains sur place. D'ailleurs, la dernière fois, entre deux épisodes, j'ai découvert l'Atlas, les gars. Je n'étais pas au courant. Mais en fait, du coup, je vais vous montrer juste après. Vous savez, genre, il y a la map avec toute l'Egypte, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Et en gros, l'Egypte, ça va à peu près jusqu'au niveau 40, en termes de level et de difficulté. Et on m'a dit que du coup, dans le jeu, le niveau max, c'était 50. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les DLC t'emmènent vers de nouvelles régions. Et donc ça, c'est le jeu de base. Et en fait, là, t'as les deux DLC. Donc ça montre aussi à peu près le niveau qu'il faudra atteindre en Egypte avant d'attaquer du coup le premier, puis le second DLC. Qui est niveau 55. Mais attends, du coup le niveau max c'est pas 50. Oh là là, et la fuie est bout est nul. Dit-il alors qu'il avait pas envie de les affronter, tu sais. Non, en vrai, j'avoue, si je l'avais croisé, j'aurais peut-être tâté un peu. Ouais, peut-être tâter un peu, mais vas-y, si tu t'approches, qu'il te met une balayette et qu'il te finit, c'est chiant, quoi. Au pire, c'est pas grave, on aurait essayé, mais bon. Ok. Direction de nouveaux horizons. Par contre, ça fait plaisir d'ouvrir la map, hein. Tu sens que t'avances. Et mon objectif, c'est qu'avant la fin de cette VOD, il faut qu'on soit passé niveau 23, les gars. Si je passe niveau 23 là, ma prochaine cible, il y a des chances pour qu'on soit niveau 24. Et ensuite, on poussera autant qu'on peut pour niveau 25. Et au niveau 25, on attaque le crocodile. Et donc comme ça, j'aurai fait toutes les cibles d'affilée dans les différentes VOD associées. Et on sera tout bon. Dégagez le passage. T'as vu ? Eh, tranquille, tranquille, tranquille les bandits, tranquille. Faites pas les mecs, je suis là. Ça va bien se passer. Ouvrez le journal de quête. Non, flemme. Flemme, flemme, flemme. Les seules quêtes que j'ai pour le moment, de toute façon, c'est des quêtes soit trop haut niveau, soit des quêtes proches d'une cime, mais pour le moment, ça m'intéresse pas. Oh oh! Attends. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que là, si j'attaque un fil à caisse. Ah merde, bon bah, ok. Ok, j'ai compris. Je m'y attendais pas, mais vas-y, on essaye. Vas-y, tu veux jouer ? On va jouer. Vas-y, viens ! Bouya ! Très bien, assez joué. Ya ! Attends. Ya ! J'arrive pas à sortir mon super ! C'est bon ! Ok, ça touche. Allez. Non mais mec, il m'a mis à 1 PV. C'est faisable, hein, mais Oh la vache. Ok, je crois que je l'ai eu. Je suis pas sûr. S'il me retouche, je suis mort. On tente, hein. On la joue, hein. Ok. Yeah. Ok. Ok. Terminé. En vrai, si je l'avais pris au sol. Oh,
Putain, ça aurait pu jouer, mais par contre, c'est tendu, hein. Ah, c'est tendu. Bah, pile ou je suis mort. Bon, bah, ce sera pas pour cette fois, hein. Ah, mais ouais, il a 3 niveaux de plus que moi, bien sûr, bien sûr. Bah, j'avais déjà la flemme de faire le niveau 25, mais alors niveau 28, laisse tomber. Par contre, attends, parce que je vais quand même par là-bas, moi, donc si je passe devant lui, c'est bête couille. Et mes flèches? Oh, ça va. Il m'a rendu à moitié, c'est gentil. Hello? Je voulais juste découvrir le territoire, hein, calmez-vous. Ça a mal fini parce que, mais... j'ose pas prendre la route, moi. Ok. Messieurs-dames, Memphis. D'ailleurs, je crois qu'on disait Memphis, mais en fait, c'est Memphis. Putain, c'est grand. Oh, il y a 1 milliard de quêtes. Oh, il y a 1 milliard de quêtes. Oh, il y a... Ah. Ah mais oui, c'est le tableau d'affichage. D'ailleurs, faudrait que j'aille voir parce que si ça se trouve, il y a des trucs à aller chercher. Yes. Attends. Parce que là, le fil à caisse, il est dans la zone. Hein, on se calme. Ah, il y a une pyramide là-bas. Bon, sûrement pas aussi importante que les 3 grosses là, parce que en vrai, bon. Mais c'est cool. C'est cool parce que s'il y a plein de quêtes à faire, ça me donne un endroit où aller pour prendre du niveau, les gars. Moi, ça me refait, hein. Moi, c'est exactement ça que je voulais, hein. La flèche du mec était en diamant pour faire autant de dégâts. Non, c'est juste que... mais je m'en rappelais, hein. On me l'avait dit à l'ancienne. Bon, déjà, on joue en difficile, mais en vrai, c'est pas ça. Non, le bail, c'est que dans le jeu, si toi, tu es niveau 1 et que l'ennemi, il est niveau 2, le jeu te sauce. Je te sauce parce qu'il est genre 2 fois plus fort que toi. C'est ainsi. Attends, j'ai pas ouvert la zone. Je croyais, mais j'ai pas ouvert. Let's go. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors 2 points d'observation. Putain, des quêtes, tellement de quêtes. Oh, incroyable. Eh ben, ça me fait des trucs où aller. Nice. Parfait. Et du coup, mon prochain objectif, attendez, je regarde un petit peu. La prochaine fois, ce sera par là. Et ensuite, par ici. Et on aura à nouveau atteint Siwa. Attends, entre 27 et 37. Oh la vache. Ah ouais, la prise de niveau, elle va être vénère d'un coup, là. Bah écoutez, victoire totale, hein. Victoire totale, j'ai ouvert ce que je voulais. Est-ce que je suis proche d'un point d'observation? Pas du tout. Donc j'irai les faire plus tard. Là, les gars, on retourne à Alexandrie. On va aller terminer ce qu'on a commencé. Essayer de passer le niveau 23. C'est le seul objectif que j'ai, en plus de finir les quêtes de la ville. Et on verra où on en est. Mais ouais, pour cette VOD, ce sera pas mal déjà, hein. Parce que de toute façon, pour la prochaine cible, le reptile... Attends, non, c'est pas le reptile, c'est le lézard. Ouais, le lézard. Pour le lézard, faut être niveau 21. Le niveau 21, c'est bon, je l'ai. Donc ça veut dire que la prochaine fois, on attaque le lézard. Par contre, pour le crocodile, je veux être 25. Rien à foutre. Je ferai pas tant que je serai pas 25. Allez, allons voir Phanos. Philakitei en pagaille. Let's go. Il me semble que c'est Phanos, hein. Parce que cette quête a popé après. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, messieurs, welcome back. Les personnes qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Ça soutient la chaîne. Si vous pouvez follow, sub ou prime, si jamais. On y croit, Kalemos, on y croit. Allez, let's go. Et c'est bien Phanos, du coup. Alors, mon grand, comment ça va? Bayek, je te cherchais, Medjay. Nous avons trouvé comment nous débarrasser des Philakitei de Genadios. Tu as trouvé Senneket Yadet? Oui. Un groupe surveille les eaux. Un autre est installé dans un arsenal et capture les malheureux de passage. Et puis il y a cet homme qui lit une proclamation contre nous dans un char sur la voie Calopique. Une fois débarrassés d'eux... Tes poètes pourront répandre leurs bonnes paroles dans toute la ville. Je vais m'occuper de ces Philakitei. Alors attends, parce que ça fait beaucoup là. Alors attends. Trouver et tuer l'homme sur le char. Tuer les soldats qui patrouillent et attaquer l'arsenal. Ok. Ah. Bon bah comme ça, tout est au même endroit, hein. Ce sera plus simple. Voilà. Ça change. Allons-y. Pour le peuple. Je veux qu'ils sentent mon odeur au moment où ils mourront. J'ai pas besoin de me cacher. Ils savent déjà qui je suis. En vrai, quand ils m'ont parlé d'un homme sur un char qui patrouille, j'ai cru que c'était le fil à caisse.
En fait, j'ai cru qu'il allait me dire il faut que tu termines quelques autres objectifs secondaires dans la zone avant de venir me voir, tu vois. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Yes, j'ai pas d'infos, je ne sais pas. Alors, coucou Kazma, la rediffusion sur YouTube, tu vas faire la map à fond avec les quêtes annexes, etc. Bonne gave. Je te regarde, je suis toujours content de te regarder en stream et de te suivre sur les réseaux depuis très longtemps maintenant. Merci de ton contenu. Et ben, merci à toi. Bah écoute, j'avance tranquillement, je rediffuse quand les épisodes sont prêts. En fait, j'ai déjà des épisodes qui sont prêts sur YouTube. Sauf que il y a ce qui s'appelle un traitement. Il doit s'agir de l'arsenal dont a parlé Phanos. Ouais, il y a ce qui s'appelle un traitement pour ceux qui font pas de vidéo. Et en fait, le bail... Attends. Attends, je trouve pas l'objectif. Là. Le traitement, c'est ce qui prend du temps sur YouTube. Attends. Pour que la vidéo soit prête à être postée et visionnable, en fait. Parce que sinon, telle quelle, vous la matez pas en HD. Mais attends, mais j'avais un objectif ici, je l'ai plus, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah mais oui, mais il se déplace, je suis un connard aussi, moi. Ouais. Alors là, la question, c'est comment je descends sans trop me... Ah, là. Génial. Donc, il y avait un tas de foin, et bon, c'est pas... Bah du coup, je vais faire les objectifs à proximité, parce que... Ouais. Hello? Excusez-moi. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Et c'est fait. Alors, ça, on est bon. Maintenant. Ah, donc il y avait bien un truc là que j'ai pas vu. Donc ça, c'est l'arsenal. Parce que le char, ça doit être le truc qui se déplace depuis une heure. Donc ça, là. Pourquoi ça a dépop tout à l'heure? Attends, tuer tous les gardes. Mais du coup, tous les gens là, je les tue là? Vous tous, vous devez mourir, c'est ça? Je suis pas sûr d'avoir compris. Hein. Arrêtez-vous, on a un problème ici. Derrière moi, Ner. Attends, attends. Aïe! Let's go! C'est ça. Ok. Wouah! Le gros pachyderme! Soy! En fait, le problème, c'est que là, ils sont niveau 22. Donc, c'est un peu plus vénère que ce qu'on pense. En fait, j'aurais pu les faire en soum soum. Mais j'ai pas eu l'occasion. Soy! Soy! Ah! Soy! Heureusement que j'ai pris les bonnes compétences parce que j'arrive à avoir des capacités assez rapidement quand même. Hein. Soy! Soy! Ça! Non! Non! Non, t'as pas le droit! Non, t'as pas le droit! Mon pouvoir! Tu me le laisses! Merci! En fait, les gros avec leur marteau, ils me font beaucoup penser aux vagabonds dans God of War 4. Allez, ça dégage! Aïe! Je mourrai pas sur un gueux! Voilà! Perfect! Je stream jusqu'à quelle heure? Bah, globalement, je termine cette VOD là, puis je vais couper ensuite. Hein. C'est la deuxième VOD du jour. Ouais, dans moins d'une heure. Dans moins d'une heure, ça c'est sûr. Apparemment, t'es le dernier, mon grand. Hein. Ya! Yeah. Oh la tête! Oh le pauvre! Oh, c'est hardcore, il se l'est pris dans l'œil et tout. Parfait. Du coup, il me reste plus que le char et on sera bon. Je vais me remettre sur la route. Comme ça, du coup, j'aurai juste à le choper dans les rues. Et ensuite, on pourra lancer le. On y va. En avant. Le cannabis de guerre. Let's go. Ah putain, c'est vrai qu'on trotte en ville. Oh, c'est si lent. C'est si lent. Le char patrouille la voie canopique. Je sais pas ce que ça veut dire la voie canopique. C'est une route en particulier? Je sais pas ce que c'est la voie canopique. Pour moi, c'est la route, mais... Peut-être genre la route principale, un truc comme ça. Alors, voyons voir, il est où? Papepi, popu, papepi. Ah, mais il est là! Mais attends, mais il était plus proche que prévu.
châtier hey, vous le sang. À la première offense. Voilà. Et bah c'est terminé. Ah, viens de battre, chacal. Tu cherches, tu trouves. Hey, j'ai dit tu cherches. Tu trouves. Ah, c'est la guerre. Ah, oh, putain, c'est la guerre. Taïo. C'est pas grave. Flemme. Son bas niveau, flemme. C'est bon, ils m'ont lâché. Let's go. Balek, détends-toi. Voilà, merci. Ok. Il est l'heure, messieurs dames. Je pense de lancer la partie finale de cette histoire avec Phanos. En vrai, s'il y a une continuité à ça, je vois pas trop là. Allez, lançons le pas content. Pas content. Tu es de retour. C'est fait. Les rues sont libres. Les poètes alexandrins peuvent enfin porter la révolution. Je me suis occupé de tous les philakitaï de Génadios. Bayek, tu es un poète du meurtre. Répands ton œuvre dans la ville. Je t'aime, Bayek de Siwa. Plus qu'aucun autre Medjay, tu resteras dans l'histoire. Let's go. Alors par contre, je suis le seul qui a cherché le focus pendant un moment, là. Ah, monture obtenue. Bah génial. Et attends, c'est comme ça que ça se termine? Ah non, je voulais une petite cinématique, un petit truc sympa, un truc pour dire bravo, t'es un beau gosse. Bon, tant pis. Fais voir un peu, la monture. Plus la merde, hein. Mon canavos est tellement plus joli. Ah, je suis un peu dégoûté, je voulais... Je sais pas, genre 3 quêtes avec un même personnage qui en plus est important. Je voulais une petite cinématique. Ça a mieux commencé que ça a fini. Bon, c'est pas grave, tant pis, c'est fait. Écoutez, de toute façon, c'est le jeu. 2 secondes. Alors, j'ai pas forcément les sous, par contre, je veux savoir ce qu'on vend comme monture. Bonjour. Alors, viens voir. Ah, il vend quand même des trucs, hein. Il vend quand même des trucs. En vrai, ils sont simples, mais ouais, je sais pas. En fait, c'est bien que les montures, ce soit juste des skins. Et en même temps, j'aurais bien aimé avoir des montures qui vont plus vite ou qui sont plus résistantes, tu vois. Genre, de sorte à ce que ça apporte un vrai bonus. Bref. Bon, et bah écoutez, Phanos, c'est terminé. En tout cas, pour l'instant, il y aura peut-être une continuité plus tard. Toujours est-il qu'il me reste qu'une seule mission pour le moment, qui est Alexandrie. Alexandra. Il a bugué, lui, ou... D'accord. Et c'est à propos du coup la quête du philosophe. Une quête qu'on a depuis genre le début. Bah comme Phanos en fait. Medjay, les dieux soient loués. Cela fait bien des lunes que je n'ai pas croisé la route d'un Medjay. Qu'est-ce qu'il y a, petite mère? C'est mon fils, Tephibi. Il traîne toujours par monts et par vaux. Cette l'emporte, il s'est mis en tête de devenir un penseur. Il est à la recherche d'une grotte près de la plage, mais il devrait déjà être rentré. S'il s'est perdu, je le retrouverai. Merci, Medjay. Je suis le seul qui a entendu « Qu'est-ce qu'il y a, petite merde ?» Genre, j'ai pas aimé ce qu'on a entendu, là. C'était bizarre. Rejoindre la plage. Ah, mais ça va, c'est juste à côté. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Putain, j'arrive pas à descendre un escalier. Fatigué, le Medjay, hein. Fatigué, hein. Le clochard n'a plus de sens. Déjà, le nez, c'est non. Déjà le nez, c'est non. La vision, vu ce qui s'est passé avec Phanos tout à l'heure, là, et le focus... c'est de moins en moins bien. Les gars, j'ai 300,5 sur 5. On n'est pas bien. Heureusement que j'ai encore ça. Si ça serait la merde. Vraie question. Ok, on level up bientôt, mais en vrai, si je termine... Attends. Est-ce que ça, c'est un avant-poste? Attends, parce que si jamais le gosse que je cherche, il est dans le camp de poste... Ça ressemble à l'endroit qu'elle m'a décrit. Qu'est-il arrivé à Tephibi? Bah bonne question. Ah merde, je croyais que c'était une zone avec ses nous. Et on a quasiment déjà la fin de l'histoire là. Ses blessures ont saigné dans l'eau. Il a dû partir à la nage. Ok, bon, il est pas totalement mort pour le moment. On y croit, les gars, on y croit. Ces traces de sang mènent au phare. Je me demande... S'il a envie.
Ok. Ok, ça contourne. Ça contourne, ça contourne. Mieux vaut être prêt. Hello? T'es Phoebe. Ta mère m'a envoyé te chercher. Ah, m'en voilà ravi. Ah. Sinon, je t'aurais fait mal. Ah. Par la pensée. Ça, j'en doute, petit. Ah. Ah. Aide-moi à me lever. Ah. Oh. Bah, tu t'es levé tout seul? J'ai la tête qui tourne. J'ai dû perdre beaucoup de sang. Alors, il est temps de te ramener à ta mère. Elle va être furieuse. Ah, d'accord. Je te suis. Mais qu'est-ce qu'il... assez de force pour marcher. Qu'est-ce qu'il a à dire ah, toutes les 5 secondes, là, je sais pas. Un philosophe a besoin d'un garde. Hé, hey, je ne suis pas ton garde. J'aide ta mère, c'est tout. Ton insigne, c'est l'œil d'Horus? C'est mon insigne de Medjay. Un Medjay? Ah, l'ancien royaume. Arrête de dire « ah » toutes les 5 secondes. Mets de couilles. Je suis le dernier. M'autorises-tu à écrire ton histoire? Oh, le dernier des Medjay. Ce serait un récit merveilleux. Quel genre d'histoire tu vas raconter, Téphibi? Je sais. Une fable qui ferait oublier celle des hommes. Je crois que je ferai mieux. Là, hein? C'est lui. Il nous a volés. Ah, ok. Défends mon libre arbitre. Donc attends. Voilà, c'est pas ce que je pensais. Il y a une vraie embrouille. Il y a une vraie embrouille et il y en a un autre. Oh la vache! Nique-toi. Ya! Yeah. Ok. Ya! Heureusement que, genre, la personne que t'accompagne peut pas mourir en soi. Hein. Parce que sinon, ce serait la merde. Hein. Allez, défonce-le! Let's go! Non! Oh, fais chier! Un peu déçu. C'est pas grave. De toute façon, j'ai trop de talent. On y arrivera. Let's go! Toi, t'es mort aussi. Toi, là. Meurs! Voilà. Parfait. Je crois qu'il n'y en a plus. Quelle merde! Oui, du coup, j'allais dire, ils veulent se battre en fait, les gens, pour créer mon histoire là. Hein. Parce qu'entre Phanos et sa pièce de théâtre et lui là qui veut l'écrire, les gars, au bout d'un moment. Phoebe, faites un feat! Faites un film! Faites un film! Chose, une caisse de drachme par exemple. Tu m'insultes, Medjay. Seul le savoir m'intéresse. L'argent peut être utile, certes, mais de là à voler. J'ai l'impression qu'il ne vient plus personne. Je te rends à ta mère et à tes études. Repasse me voir quand tu veux à Alexandrie, Medjay. Je vais devenir un grand philosophe. Tu seras surpris. Je l'espère pour toi, Téphibi. Quelque chose me dit que c'est pas terminé. Le philosophe accidentel. Ah les gars, on a presque passé un niveau. Attends. Je vais me TP par curiosité quand même, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une autre quête avec lui aussi. Ouais, c'est marrant, hein. Tous les personnages qu'on croise, Alexandrie et Alexandra, là, ils veulent tous écrire mon histoire d'une manière ou d'une autre. Enfin, ils veulent tous la raconter. Ah putain, je l'aurais parié. Éducation supérieure. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Ouais, par contre, ce qui est chiant, c'est que. En fait, je me TP en dehors de la ville parce que je pars du principe que si je me TP dans la ville, ça va pas suffire et qu'il va pas actionner sa future quête. Bon, on enchaîne, les gars. De toute façon, il me faut de l'expérience, donc on y va, hein. Le planning, du coup, il est disponible sur Twitter pour savoir quel jour on fait quoi. D'ailleurs, normalement, je devais pas jouer assez aujourd'hui. Je suis content de ma session, on a bien avancé. Surtout qu'on a fait 2 épisodes. Mais aujourd'hui, je vais partir en découverte d'un jeu qui, en fait, est pas encore disponible. Parce qu'il sort sur le Game Pass. Mais je pensais qu'il serait disponible dès le matin même. Et en fait, je sais pas. Le jeu veut pas sortir. Donc, tant qu'il est pas sorti, je peux pas y jouer. Alors. Donc, je vais peut-être inverser avec demain. Parce que normalement, je devais jouer assez demain. C'est pas grave, hein, dans tous les cas, moi j'avance. Hein. Let's go. Par contre, prochainement, je vais surtout beaucoup retoucher à God of War. Parce que les gars, il nous reste beaucoup à faire. Et Ragnarok, c'est pour bientôt. Hein. Cannabos, qui en a rien à foutre. Cannabos qui se la joue banlieue 13. Let's go. Et bienvenue à ceux qui n'ont jamais, messieurs dames. Welcome back. Et si jamais j'en vois pas, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de follow Sub ou Prime. Hein. Ça soutient. Et YouTube, rejoins-nous. Ça fait longtemps que je t'avais pas dit. Rejoins-nous.
Bon alors, est-ce que mon philosophe préféré de la mort là, il va avoir un peu changé, slash évolué, slash arrêté de foutre la merde? Hello boys! Ah putain, j'aurais bien voulu qu'il mette une autre tenue déjà. Non mère, je vais être ton salut. Finis les olives. Mais Jai, nous avons besoin de ton aide. Mon idiot de fils a glissé mon offrande dans son papyrus et il l'a perdue. Je ne peux pas vendre mon huile sans avoir rendu grâce. Je ne l'ai pas perdue. Les gardes l'ont pris. Ce papyrus est toute ma vie, Medjay. Ces gardes doivent être châtiés. Ce papyrus contenait mes notes. Ces chiens l'ont jeté dans un bateau. Je vais m'en occuper, Defibi. Et je retrouverai ton offrande, petite mère. Les Medjay, c'est un peu les gardiens du peuple. On aide les gens autant qu'on le peut, mais des fois, je suis pas sûr de ce qu'on fait avec tout ça. Hein. Ah, mais je retourne quasiment au même endroit. D'accord, bah, let's go. Kanabos ? Kanabos ? Ah, Kanabos qui est parti boire un coup. Avec les compères Kanabos. Let's go. Les poteaux de dromadaire. Alors, vraie question. Est-ce qu'ils sont sur l'eau ? Ou est-ce qu'ils sont au phare directement? Parce que là, je vais au même spot que tout à l'heure. Hein. Aïe, 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 ça coince, ça coince, ça coince. Quelque chose me dit que ça va avoir un lien avec l'avant-poste. Les soldats ont pris le papyrus et naviguent à bord d'un bateau. Ah bah voilà, je l'ai ma réponse. Ah bah! Yes. Bon alors, attends. Parce que s'ils naviguent à bord d'un bateau... c'est pas ce que je voulais faire. On va peut-être tout de suite regarder pour un bateau. Oui, on va. Il y a un bateau là-bas. Est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je peux prendre ce bateau? Il y a rien qui m'en empêche, hein. Ouais, je crois que je peux. Je crois que je peux. Let's go. Parfait. On y va. J'aurais dû lire tout de suite l'objectif. Let's go! Déjà vous! Et on passera niveau 23! Si possible avant la fin de la mission. Comme ça, ça m'avance tout de suite la prochaine barre. Bon, dans tous les cas, c'est pas perdu, mais. Mais du coup, ouais, je veux bien que quelqu'un me donne le vrai niveau max parce que beaucoup validaient que c'était 50. Mais après avoir vu des zones de difficulté dans les DLC au niveau 55. Je commence à me dire qu'en fait, c'est pas 50 le max, hein. On se calme, les croquants, on se calme. À l'assaut! On va les éprôner, tu vas voir. Le bateau dont parlait Tefibi. Je vais devoir me faufiler discrètement. Discrètement? Pourquoi discrètement? Pourquoi discrètement? Personne n'a dit qu'il fallait être discret, hein. Par contre, c'est mal barré pour récupérer le truc là. Attends. Opération kamikaze. Saute dedans. Saute dedans. Va récupérer le papyrus en question. J'en ai rien à foutre de lui. Moi, je voulais faire une die-hard. Je voulais sauter dans les flammes, récupérer voilà mon dieu et me casser. Et l'offrande. Parfait. Des phibies et Tchepou seront contents. J'ai acheté le jeu avant hier, il est vraiment incroyable. Ouais, bah j'espère que t'as acheté la version gold. En fait, dites-vous les Kazma que vu que le jeu maintenant est daté un peu, sur les dernières consoles il est optimisé, donc ça c'est génial. Ça fait plaisir le 60 FPS, quand tu peux l'avoir. Et genre pour 15 balles, si tu te dépatouilles bien, ou même moins je crois, t'as le jeu complet avec toutes les extensions et t'as de quoi faire quoi. Vraiment, Origin incroyable. Je suis pas sûr que ce soit la dernière mission, pour moi il manque une finalité à cette histoire. Pour moi... Là, ça va mettre fin à cette partie-là, mais il va manquer un truc. Hey, beau gosse! Attends. Ah non, c'est la mère. Eh ben, oui, si, belle gosse. Oui, si. Je vais enfin leur prouver que mon esprit égale le leur. Arrête avec ces bêtises! Les Grecs ne voudront jamais de toi! Tu te trompes. Je serai bientôt philosophe. Ton offrande. Tu peux retourner vendre ton huile d'olive. Je passe ma vie à m'inquiéter pour lui. C'est difficile à comprendre quand on n'a pas eu d'enfant. Laisse faire tes phibies. Tout se passera bien. Elle a parlé sans trop savoir, hein, en vrai. Hein.
Bon, pour moi, c'est pas terminé. Allez, let's go. Niveau 23, messieurs dames. Bah déjà, j'ai accompli mon objectif de cet épisode, let's go. On avance bien, je suis content. J'avais vraiment peur du rythme que j'allais prendre pour cette aventure-là et les deux autres à venir, parce que ce sera un peu la même en soi. Mais ça va, j'ai trouvé à peu près ma vitesse de croisière. Et on avance efficacement. Puis c'est une bonne idée de commencer par du scénar, parce que comme ça, les personnes qui veulent le scénar long en début de session, et puis ensuite, ceux qui veulent rester pour du plus peuvent rester. Mais les autres, genre, vous pouvez partir. D'ailleurs, le mot secret, c'est Pruneau. Si jamais vous regardez jusque-là sur YouTube, marquez Pruneau en commentaire. Et du coup, c'est terminé. Ah d'accord, je suis surpris. Je m'attendais vraiment à une dernière partie, ou peut-être plus tard, je sais pas. En vrai, vous voyez, c'est pour ça que je veux pas me TP directement à Alexandrie, parce que j'ai l'impression que en se téléportant sur place, ça laisse pas l'occasion à la quête de popper. Si jamais, hein. Donc là, je me suis téléporté de manière random, parce que je veux savoir du coup si c'est bien ça. Tu vois ? Ah non, ça a l'air bien fini. Hein. Bon, bah écoute, réfléchissons. Donc, j'ai atteint le niveau 23. Parfait, ça déjà ce que je voulais. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un secteur qui est clairement pas de mon niveau. Donc tout ça, pour le moment, on laisse. Ça, je me demande vraiment ce que ça m'apporte. Parce que c'est des grandes mers qui sont couvertes pour le moment, mais qui ont pas de niveau. Et qui pourtant... J'avais vu un moment un point d'interrogation qui cache des choses apparemment. Donc on s'y intéressera plus tard. J'ai pas forcément envie d'attaquer une nouvelle mission. Par contre, je serais curieux d'aller faire les points d'interrogation qui sont là. Comme ça, une fois fait, j'aurai 3 points de compétence. Et je pourrais acheter la compétence pour les chars. Ah oui, pardon. J'avais pas compris. Parce que je venais juste de me TP, alors moi je venais de sortir un véhicule. Ok. Parfait. Et au niveau de mon équipement, faudra que je regarde pour racheter des ressources. Let's go. Oh la vache, faut 8400. J'espère vraiment que... Par là. J'espère vraiment qu'avec les quêtes du lézard, j'arriverai à atteindre le niveau 24. Puis après le niveau 25, donc ça veut dire que dans la VOD prochaine, faut que je prenne deux niveaux. En fait, c'est pas qu'il faut, les gars, je rappelle, hein, c'est moi qui me fixe cet objectif. Ça va être tendu, hein, ça va être tendu. On va se débrouiller, je ferai ce qu'il faut. Au pire, c'est pas grave, j'attaquerai en étant niveau 24 et j'espère passer niveau 25 au bon moment. Mais niquez-vous en fait, putain, la zone elle est secret défense en fait, t'as pas le droit d'être là, c'est ça le bail. Kazma, rien à voir avec le jeu, mais tu connais les cartes Magic. Oui, je connais les cartes Magic, je suis pas fan. Moi je suis Team Yu-Gi-Oh. Je sais pas, j'ai jamais trop aimé Magic. J'ai essayé, hein, plusieurs fois. Je connais en partie les règles de base, mais c'est pas mon deal. Alors, on est parti pour la seconde des trois pyramides. On y va. D'ailleurs, je parle de tablette ancienne, mais personne n'a dit que c'est ce qu'on avait trouvé, hein. La tombe de Khéphren. Let's go, messieurs, dames. Et heureusement qu'on se rapproche de la fin de cette session, parce que je commence à plus trop avoir de poils de couilles, donc faut que ça repousse pour la prochaine fois, hein. Ok. La logique voudrait que ce soit tout en bas. Voilà. Et ça là, de la silice que je trouve partout. Attends, silice ou silicite? Non, silice. Que je trouve partout. Trouver la tablette ancienne. Donc c'est bien une tablette ancienne. Let's go. Mais en fait, t'as même pas besoin d'utiliser tes pouvoirs. Les cafards te montrent le chemin. Ben, le pouvoir des cafards. Je suis le clochard de l'Égypte antique 49 avant Jean-Claude Van Damme qui avait les pouvoirs d'Ant-Man. Vraiment, hein. Je suis Cafarman. Comment on dit cafard en anglais? Oh, ou en égyptien? D'accord.
Ok. Je dirais par là, du coup. Ah! Ah! Nanda, 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 nanda! Ok, parfait. On a compris, hein. Pas très compliqué. Là. Très bien. Le lac de feu engloutira nos ennemis. Grand conquérant, spoliateur, seigneur des mers de sang. Puisses-tu lever les bras contre ceux qui s'opposent à toi dans l'autre monde. Let's go. Ok. C'est plus important que le reste, ça ? Ah oui, quand même. Oh, du graphite. Putain, et les gars, le graphite, ça coûte 3000, hein. Et j'en ai 7. Bon, je les vendrai pas, mais... Ça, c'est ce qui me vend Reda, là, le vendeur vagabond un peu bonus. Mais je sais pas... Ah, ça y est, on a la tablette. Mais je sais toujours pas à quoi ça sert. Je pense que plus tard, quand vraiment on aura pris du galon, on le saura, mais là, on a encore trop peu avancé. Du silice. Let's go. Voilà, victoire, parfait. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Et c'est une victoire, parfait. J'aurai le pouvoir de conduire un char. Parce que c'est stylé. Oh, attends, un nouveau bouclier. Peut-être qu'il va me parler celui-là. Résistance au feu, résistance à distance. En vrai, je continue de garder l'autre parce que à la base c'était cool, genre ça permettait d'endormir les gens. Mais ça fait longtemps que ça a pas marché. Ah mais en même temps, oui, je suis con. Il est marqué blocage. Les gars, je joue avec de l'esquive, donc de base en fait le bouclier il est pas pour moi. Ouais, je sais pas. En fait, genre, le bouclier je pourrais carrément le déséquiper. Hein. Je sais pas, est-ce que le bouclier ça augmente ta défense de base ou est-ce que tant que tu le dégaines pas ça sert à rien ? Parce qu'elle est là la vraie question aussi. Hein. Donc attends, logiquement la sortie c'est par là. Je veux juste regarder sur les côtés, parce qu'il y a des trucs qui brillent. Ah là, des trucs qui brillent. Déconne ta. Deux flèches et une pièce. Let's go. Le clochard de Sima. Bordel de merde. Putain. Je trouve des montagnes de trésors constamment. Et je récupère vraiment les pièces sales tombées par terre. Ah, ça me fatigue. Le clochard de Siwa. Là, les vieux pots, j'ai le droit de les fouiller. Hein. Par contre, quand je marche sur les pièces, c'est non. Hein. On entend l'air. Hein. On sent l'air. Hein. Là. Mais du coup, parce que là, je fais les donjons dans le bon sens, mais techniquement, tu peux les explorer dans l'autre sens, en fait, si tu trouves. Oui, techniquement, tu peux arriver par derrière. Hein. Et bah, parfait. Une deuxième pyramide. Allons faire la troisième, messieurs, dames. Let's go, let's go. Et on verra si on se quitte là-dessus ou si je regarde pas pour faire un autre point bonus. Parce qu'en vrai, c'est sympa, mais c'est vrai que j'aimerais bien couper l'épisode sur un maximum de choses terminées. Je suis le gardien de la flamme de la volonté éternelle olympienne. Ouais, s'il y a moyen que je fasse un autre truc à proximité, parce que j'ai vu qu'il y avait un autre point d'interrogation. D'abord, on va faire ça et ensuite on discute. Par contre, putain, 3 pyramides, 3 points d'aptitude, pardon. Incroyable. Ça et du scénario aussi. Bon, là, attends, parce que là, c'est un peu différent. Il y a 2 étages. Il y a 2 étages. 3 étages. Non, attends. Il y a un passage secret là, non ? Passage secret, ça ? Ah non. Non, non, j'ai cru. Ouais. Ça se trouve, c'est la sortie au-dessus. Bon, tant pis, on s'en fout. De toute façon, si c'est la sortie, on finira par y aller. Et ça, c'est le tombeau de Mickey. De Mickey. Oh 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 oh. Let's go. Ok. Voilà. Juste pour le plaisir de dire, je suis venu. J'ai vu, j'ai vaincu. Caius bonus Malukus.
Ok. Ah! Hein? Ah mais non, c'est Bonux ça! Oh bah let's go! Je crois que j'avais déjà trouvé. PTDR. Et regardez! Putain, ça me fatigue! Qu'un moult trésor! Putain, c'est le stockage APP, eh! Y'a tous ces meubles et tout! Incroyable! C'est la tombe de Mickey. Mais oui, non, je crois que j'étais déjà arrivé, ça m'a surpris. Ah! Oui, donc y'a des trésors de partout et je récupère vraiment les trucs qui traînassent! Attends. À un moment, je pouvais tourner. Oh là là, oh là là! Au divin roi Mickey. Oh! Lui aux yeux d'or, bien aimé de son peuple, héros du soleil safran, accepte ces cadeaux susceptibles d'apaiser ton esprit. Puisses-tu accorder à ceux qui te les offrent le pardon pour avoir laissé ton sommeil être troublé. Tu as apporté la prospérité à notre peuple et la paix à notre pays. Et Cléopâtre, reine d'Égypte, mère du Nil, t'honore, accorde-nous ta bénédiction. Let's go! Sa pyramide à tonton Picsou. En même temps, c'est ça, hein. Parce que bon, il y avait des fauteuils roulants, il y avait des déambulateurs, on est là. Hein. Alors attends, parce que du coup, ce qui se passe là, c'est qu'il y a un passage secret que j'ai pas trouvé. Parce que là, je peux remonter, d'accord. Mais là, tu peux pas monter plus. C'est ici que la manigouille opère. Alors j'avoue, j'y suis allé au pifomètre, je pensais pas que ça allait passer. Oh, let's go. Ce talent. Eh ben, c'était pas très grand chez Picsou. Mais ça valait le coup. Sa très sereine déesse éthérée. À tes souhaits. Mère du roi de Haute et de Basse Égypte. Elle qui voit Horus et Seth. Grande du sceptre Étès. Très louable prêtre. Waouh, il y a trop de place. Allez, let's go. Vieilles écritures de l'ancien royaume. Bon, en soi, il n'y a rien de compliqué, les gars, hein, mais c'est très, très, très stylé. Hein. Mais il n'y a vraiment rien de difficile. Mais en fait, moi, voilà, ce qui m'avait étonné, c'était de descendre quand on est arrivé, alors qu'on avait vu qu'il y avait une autre entrée slash sortie au-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé vers le haut, en fait. Et ben voilà, on a nos 3 points d'aptitude. Et donc, je suis officiellement un pilote de char. Oh, let's go! Voyons voir. Ah, mais non, je crois que c'était un point doré, mais pas du tout, en fait. Oh, je suis déçu. Attendez. Un cadeau des dieux, quête annexe. Alors, c'est quoi la différence entre... Attends. Ça. Épreuve de Sobek. Je sais pas ce que c'est. Alors, les quêtes bleues, c'est des quêtes événementielles, mais genre timées. Mais du coup, c'est quoi les... Voilà, ça, là. Ça, en gros, c'est timé. Mais c'est quoi les vertes? C'est genre... DLC? Je sais pas. Donc ça, pour le moment, j'ai pas accès, parce qu'il me faut plus de cercles de pierre. Je regarde si j'ai pas des points d'interrogation d'éparpillés quelque part. Non, bah écoutez, on est bien. Hein. On est bien. Il reste 1 milliard d'endroits où aller, mais pour le moment, écoutez, c'est validé par la street. Bon, bah YouTube, je voulais te faire un dernier petit plaisir, mais visiblement, pour le moment, on est bien. La prochaine fois, on attaquera en début de session directement avec le lézard. C'est ça, hein? Ouais, le lézard. L'objectif, ce sera de passer dans cette VOD niveau 24, on l'espère, rapidement. Comme ça, directement après, je fonce en direction du niveau 25. Je pense que on va faire en sorte de faire le plus de quêtes annexes possible. Donc on ira en direction de Memphis, je pense. La nouvelle destination, parce que là-bas, il y a plein de quêtes.
Une fois que ce sera fait, et ben on sera niveau 25 et puis on pourra enchaîner directement sur le crocodile. Allez, je te fais de gros bisous, je te remercie pour tout et je te dis à très vite pour la suite sur AC Origin. Des bisous.